Voilà, bah je suis Sophie, je faisais partie de France Parrainage en 2014 et Nelly m'a motivée pour faire partie de la course des héros, sachant que je ne suis pas du tout un héros et que je ne cours pas. Voilà, mais j'ai participé avec beaucoup de plaisir à cette course. On est parti à 4, je crois, dans ma petite voiture à Paris pour représenter l'association France Parrainage. Alors c'est une course solidaire qui a lieu donc dans le parc de Saint-Cloud chaque année, qui réunit plein de gens qui courent pour une belle cause et on récolte finalement par notre motivation à courir des fonds pour profit d'une association. Sauf que ben moi j'ai pas couru, j'ai marché. Toi t'as couru, tu t'étais entraînée. Je m'étais entraînée alors dans un autre lieu qu'à Paris, puisqu'on est de la région Bretagne, autour de l'étang de Château-Giron, où de temps en temps des personnes qui me connaissaient m'encourageaient alors que je ne suis absolument pas sportive. Voilà, comme moi, sauf que toi t'as fait l'effort, pas moi. Mais donc en fait on récoltait des fonds en amont. Oui. Je crois que j'avais récolté 250 euros, 300 euros pour l'association France Parrainage. Donc ça, c'était ma petite fierté. Voilà. Et on avait passé une très très bonne soirée à Paris, à Versailles. Oui. Chez mon frère et ma belle-sœur qui nous avaient prêté leur appartement. Ouais. Et donc on était pas peu fiers pour la première édition. Oui, c'est vrai, c'était la première de la édition. Participation de France Parrainage Ille-et-Vilaine à la course des héros. Et on avait réuni plus de 4000 euros. Super. On était la team France Parrainage Ille-et-Vilaine, hyper les Bretons, voilà, avec nos t-shirts magnifiques que j'ai toujours. Je crois que je l'ai toujours. Et des drapeaux bretons sur le dos. Et voilà, c'est ça. Et donc 5 ans après, je retrouve Nelly par hasard dans le cadre de ma formation, et du coup, je vais me réinvestir dans France Parrainage en tant qu'adhérente. Voilà. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? C'est une belle course. C'était une belle course.